Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Guide des valeurs du nickel buffalo de 1937. 1937 Les nickel buffalo sont très répandus et, tout au plus, ont une valeur légèrement supérieure à leur valeur nominale. Cependant, votre collection numismatique peut rapporter une fortune en raison de son importance, de sa valeur de fusion et de ses erreurs malencontreuses. Pour la vidéo d'aujourd'hui, apprenons la valeur d'un nickel buffalo de 1937. De quoi est fait le buffalo nickel de 1937? À l'exception du revers de la pièce, le nickel buffalo type de 1937 ressemble au type 1 de 1913. Dans la version 1937, le bas du revers a été redessiné. Le buffle, autrefois dressé sur un terrain surélevé, se trouve désormais sur une ligne ou un plan. Le mot 500, précédemment écrit sur le monticule, est désormais masqué par une zone en retrait sous la ligne, la protégeant de toute détérioration. Le nickel buffalo a été produit selon ce style de 1913 jusqu'à la fin du motif buffalo en 1938. Le buste de James Earl Fraser représentant le dessin en nickel Native American Head apparaît sur l'avers du nickel buffalo de 1937. Il comporte également le mot Liberty devant la tête amérindienne et l'année de frappe sur l'épaule de la tête amérindienne. Le F, initial du créateur, est visible sous l'année de frappe. Vous pouvez remarquer une bordure de ligne entourant la pièce, séparant certaines zones des autres. Au revers, on peut voir le dessin du bison créé par Fraser affiché au milieu. La dénomination 500 est placée sous le dessin du bison et la marque d'atelier, si disponible, est frappée en dessous. Les mots « États-Unis d'Amérique » sont courbés au-dessus avec la phrase latine « Pluribus unum » placée dans sa partie inférieure droite. Semblable à l'avers de la pièce, nous pouvons également voir qu'une bordure linéaire entoure ce côté de la pièce. 1937 Variété de nickel buffalo. Le nickel buffalo de 1937 a une valeur nominale de 500 ou 500 et a une composition métallique de 75% de cuivre et 25% de nickel. Cette pièce à tranche lisse a un diamètre de 21,20 mm et pèse 5 grammes. Dans la plupart des qualités, le nickel buffalo 1937D est extrêmement courant. Des milliers de spécimens de ce problème particulier ont été confirmés dans les conditions MS64, MS65 et MS66. Cependant, dans l'état MS67, la population de la pièce diminue considérablement. Heureusement, elle est dans l'état MS68, dans lequel cette pièce brille. L'un des deux échantillons PCGS MS68 s'est vendu pour la somme incroyable de $35 250 en mars 2015, battant tous les records précédents pour la période et essentiellement pour n'importe quel nickel buffalo de millésime tardif. Des milliers de pièces de monnaie de l'état de la monnaie provenant des nombreux rouleaux séquestrés dispersés au cours des années 1950 et 1990 contiennent encore 1937 nickel de la Denver Mint. Il se peut qu'il y ait encore quelques rouleaux originaux dans des collections plus anciennes, cependant, il est peu probable qu'il ait survécu à des décennies d'encapsulation. Les collectionneurs ne devraient pas lésiner sur cette date commune, même si la plupart des pièces ont été produites sur des matrices surchargées qui présentaient de nombreuses lignes d'érosion et une perte de détail. Une autre pièce de monnaie de la Denver Mint, riche en variantes de marques d'atelier repoinçonnées, pourrait avoir été fabriquée avec des matrices de transition pour la monnaie de 1936 ou 1938. Le nickel buffalo le plus répandu dans les qualités en circulation et le deuxième le plus répandu à l'état neuf et à l'état GM est la variante buffalo de 1937, après la variante D de 1938. La frappe de cette pièce est typiquement nette et son éclat givré. Bien qu'il ait un tirage inférieur à celui de l'émission P de 1936, le nickel buffalo P de 1937 est plus répandu dans les qualités supérieures. L'émission Buffalo Nickel de 1937 de Philadelphie et la 1938D sont parmi les émissions les plus recherchées par les collectionneurs de caractères en raison des frappes nettes et de l'éclat brillant qui caractérise de nombreux survivants. Le nickel Buffalo le plus répandu de la monnaie de San Francisco est la variante 1937S. Pour un nickel Buffalo S de 1937, la frappe est souvent correcte et l'éclat est typique de la variété gris brillant. Ce S-Mint Buffalo Nickel est incontestablement le meilleur en termes de brillance globale, de surface et de frappe.
étant donné que cette date était encore imprimée par les banques un an ou deux plus tard et qu'elle était tellement thésaurisée par les collectionneurs et les spéculateurs, elle semble être la pièce la plus abondante de l'état de la monnaie qui ait survécu. De nombreux types de marques d'atelier repoinçonnées pour les nickels de 1937 sont moins visibles que celles des deux années précédentes et ont reçu peu d'attention. Malgré le fait que chaque nickel d'épreuve de 1937 a été fabriqué avec une finition brillante, seul un très petit pourcentage d'entre eux ont une texture suffisamment contrastée sur leurs appareils pour être appelés caméo. Cette année détient le record de la plus grande production de nickel Buffalo Pro Off pour toute la série. Bien qu'il existe de nombreux exemplaires de cette émission, la forte demande de collectionneurs de caractère maintient les prix de la pièce à un niveau élevé. La plupart de ces preuves se trouvent dans la gamme PR64 à PR67, et plus de la moitié sont connues dans PR65 ou supérieur. Quelques dizaines ont reçu la certification PR68 du PCGES et du NGC, et PCGES en a obtenu deux en tant que PR69. La production de nickel d'épreuve de Buffalo a cessé en 1937 et le nickel Jefferson, qui représentait exclusivement les nickels d'épreuve de 1938, a été introduit l'année suivante. Liste des erreurs Buffalo Nickel de 1937. Erreur de matrice doublée. Un dé doublé est une forme de variation de dé sur une pièce de monnaie. Cela se produit généralement lorsqu'une erreur lors du processus de Urbing double la conception sur la matrice. Lorsqu'un moyeu frappe la matrice selon un angle légèrement différent, le motif apparaît deux fois, voire parfois trois ou quatre fois. Frappé par erreur lorsqu'un objet étranger fait une impression sur une pièce de monnaie en y étant frappé, le résultat est une erreur, barrée. Lorsque la nature et l'origine du corps étranger sont clairement visibles, de telles erreurs sont toujours plus convaincantes. Erreur de reponchage lorsque le poinçon de lettre utilisé pour placer la marque d'atelier dans la matrice de travail laisse deux impressions décalées ou plus, le résultat est une variante de marque d'atelier repoinçonnée. Les impressions se chevauchent presque toujours. Une marque d'atelier secondaire complètement distincte est extrêmement difficile à trouver. Combien vaut le Buffalo Nickel de 1937 aujourd'hui? Rendez-vous sur le site web de la Numismatic Guarantee Company, NGC. Vous pouvez consulter leur guide des prix et constater que la valeur d'un nickel Buffalo de 1937, en janvier 2023, est estimée entre $20 et $400 en état de circulation. Cependant, cette valeur augmente considérablement lorsque la pièce est vendue sur le marché libre, en particulier dans un état impeccable et non circulé. Par exemple, vous pouvez gagner jusqu'à $10 000 en vendant un nickel Buffalo D de 1937 en parfait état, hors circulation. Vous pouvez gagner moins avec celle frappée à Philadelphie à seulement $8 000, mais cela vaut quand même beaucoup pour une pièce de 500. Le Nickel S Buffalo de 1937 remporte la plus haute distinction à $22 500 s'il est vendu sur le marché libre. Ou acheter ou vendre du Buffalo Nickel de 1937. L'approche la plus pratique pour acheter ou vendre du Nickel Buffalo 1937 consiste à se rendre sur des sites d'enchères en ligne et sur d'autres marchés en ligne. De nombreux vendeurs font des offres sur des sites web tels que eBay, Etsy, Amazon et Craigslist. Cependant, vous pouvez acheter ou vendre vos nickels Buffalo de 1937 dans les magasins de pièces de monnaie et d'antiquités. Mais en trouver un là-bas peut être plus difficile. Il est également important de demander l'aide de prestataires de services de classification de pièces réputées, comme PCGES et NGC, si vous avez besoin de conseils sur où et comment acheter ou vendre vos nickels Buffalo 1937. Questions et réponses. Quelle est l'erreur sur le nickel Buffalo de 1937? Seules les pièces de la Denver Mint incluent l'erreur Buffalo Nickel 3 Leg de 1937. On le voit au revers de la pièce, notamment sur les pattes avant du Buffalo. La jambe droite est à peine visible en raison d'une erreur de frappe. Le buffle dans le design a donc trois pattes. Avec cette erreur, vous seriez extrêmement chanceux de posséder un Nickel Buffalo de 1937. Combien vaut un nickel de buffle à trois pattes de 1937? Le guide des prix MBAC estime la valeur d'un nickel Buffalo Leg de 1937 frappé à Denver entre $350 et $1950 en état de circulation. Cependant, si vous la vendez sur le marché libre, cette pièce pourrait vous rapporter jusqu'à $110 000 en parfait état et non circulé. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un nickel Buffalo de 1937? Supposons que vous ayez un nickel Buffalo de 1937 en parfait état et hors circulation.
Dans ce cas, vous pouvez gagner jusqu'à 8 000 $, Philadelphia Mint, 10 000 $, Denver Mint, 22 500 $, San Francisco Mint, et 110 000 $, Denver Mint, variante à 3 pattes, si vous le vendez sur le marché libre. Un nickel Buffalo de 1937 est-il en argent? Non. Le nickel Buffalo de 1937 a une composition métallique de 75% de cuivre et 25% de nickel.